téléspectateurs, bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue avec de nouveaux mouvements du sabre du Trenzi. Pangjo, tu es prêt? Oui, allons-y. Avant de commencer le nouveau cours, révisons les mouvements de la dernière séance. Les fleurs cachées sous les feuilles A. Le roc déploie ses ailes. Le tigre fougueux s'abat sur sa proie. Regarde l'enchaînement des mouvements. Voici quelques mouvements en image. Voici les nouveaux mouvements de la séance. Passons au contenu de la sixième séance. D'abord, se retourner pour pourfendre. À partir de « Le tigre fougueux s'abat sur sa proie ». Sabre dans la main droite, venez pourfendre à droite vers l'arrière, placez la main gauche au-dessus de la tête. Bien, refais-le une fois. Ok, quand on pourfend, on utilise la force du poignet pour que l'énergie atteigne la lame. Refais-le une fois. Lorsqu'on pourfend, il faut utiliser la force du poignet. Maintenant, étudions les nuages blancs couvrent le sommet. Sabre dans la main droite. Tournez le sabre vers le haut, l'arrière, puis le bas, reculez. Soutenez le sabre par le revers, main vers le haut, soulevez. Vas-y une fois. Bien. Ici, quand on soulève, il ne faut pas mettre la main devant, mais bien sur le revers. De plus, on doit décrire une courbe bien ronde avec le sabre. Allons-y encore une fois. Les nuages blancs couvrent le sommet. Attention à la courbe bien ronde que l'on doit dessiner vers l'arrière. Maintenant, passons à « Le tigre noir parcourt la montagne 2 ». Dessinez une courbe vers le bas avec la pointe et sautez au passage. Avancez en position du cavalier et piquez. Bien, je le fais une fois. Lors de la courbe vers le bas, il faut être en coordination avec le saut. Une fois en position du cavalier, on vient piquer. La force doit arriver dans la pointe. Vas-y une nouvelle fois. Le tigre noir parcourt la montagne 2. Attention, le mouvement et le saut doivent être bien coordonnés. Maintenant, voyons les fleurs cachées sous les feuilles 2. Sabre dans la main droite, enroulez la tête de gauche vers le haut et ramenez sous l'aisselle gauche. Bien, fais-le une fois.
quand on enroule, on va de gauche à droite. On colle le revers du sabre au dos, on fait un tour et on le ramène sous l'aisselle. Ne descends pas trop le sabre. Ok, vas-y une fois avec moi. Les fleurs cachées sous les feuilles de... Démonstration publique du premier enchaînement des techniques de sabre du Traïti. Quels sont les points importants de la leçon ? Se retourner pour pourfendre. La rotation de la taille est rapide, elle emmène le bras. Lorsqu'on pourfend, la force atteint la lame. Les nuages blancs couvrent le sommet. Les deux mains soutiennent le revers. La lame est orientée vers le haut. Le tigre noir parcourt la montagne 2. Le saut, la rotation du corps et la courbe tracée devant doivent être bien coordonnées. La force doit atteindre la pointe du sabre. Coller le dos. Nous allons refaire ces mouvements en se concentrant sur les points difficiles. Se retourner pour comprendre. Les nuages blancs couvrent le sommet. Les fleurs cachées sous les feuilles de... Refaisons ensemble une fois tous les mouvements appris aujourd'hui. Quelles sont les différences entre le sabre du Traïti et d'autres styles de sabre ou d'épée ? Le sabre du Traïti est basé sur les principes du Traïti. C'est physiquement peu intensif. Il est adapté pour quasiment tout le monde, peu importe l'âge et la condition physique, parce que les mouvements peuvent être modifiés en fonction des différences individuelles.
Démonstration d'une forme en duo de sabre de Kaïtien. Regardons ensemble la forme entière de sabre du traitier. Fanjo, ces jours-ci, tu as encore fait des progrès. Merci, professeur Wang. Pratiquez bien de votre côté. Notre séance s'achève. On se retrouve à la prochaine séance. Au revoir. Au prochain cours, on poursuit l'étude de la deuxième partie de la forme. Continuez bien à nous suivre.